my blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Assassin Brotherhood. These are the tenets of the Creed, the principles I used to live by. I was a young man then. The Seven Years' War was about to begin. I could not have imagined what the future had in store for me, nor the cost I would choose to bear. My name is Shea Patrick Cormac. This is my story. Et nous voilà avec une introduction très bien maîtrisée pour le début du walkthrough de Assassin's Creed Rogue. Voilà, donc on est sur PC comme prévu en version originale sous-titrée français. Normalement en 1080p, 50 fps, voilà, 50 c'est pas mal. Alors là vous voyez, il risque d'avoir des petits drop frames en début de jeu. Je sais pas trop à quoi c'est dû, le jeu est légèrement moins beau qu'Assassin's Creed 4. Hein. Ils ont mis un peu moins d'effets dans les menus, on n'aura pas dans tous les anti-aliasing et tout, mais bon. Donc en théorie, techniquement, ça devrait passer, c'est juste le début de jeu, j'ai l'impression. Il a un petit peu de mal. Donc voilà, avec Shay, l'assassin en entraînement. Well, don't lack for firewood at least. Admit it, I nearly had you. Nearly counts for nothing, Shay. And besides, no. That was just luck. I make my own luck, Liam. Ah, you've been saying that for years, but you're precious little to show for it. Or have you been spending it all getting out of trouble? Well, you know, trouble just follows me around. Let's head back. Come on. Captain de Livrandre and his crew must have run into some trouble. Who knew meeting with smugglers would lead to no good? I still don't understand why you can't tell me what we're doing here. Because Chevalier decided not to tell you. I thought we were friends, Liam. We are. But this is business. It doesn't concern you, Shay. On va passer par là. Oh, petite page de gens à récupérer déjà pour commencer. Am I going too fast for you? I'm just keeping an eye on you, in case you fall down and hurt yourself. J'ai un dialogue humoristique pour début, un personnage qui a beaucoup de caractère. Et c'était un peu la grosse plus-value de ce jeu également, c'est un personnage qui a du caractère et d'où l'intérêt de mettre le jeu en VO pour la voix originale qui est vraiment classe. Premier saut de la foi avec un petit parchemin qu'on va récupérer ici. Récupère ce parchemin parce que ce parchemin indique la position d'un trésor qui est juste ici en fait, voilà, au pied d'un arbre... Double ici, ça doit être juste là, voilà, à peu près. Voilà, ici. Donc c'est aussi con que ça. C'est un petit tuto, voilà, donc le début est très rapide, le début peut paraître pas être génial, tout comme ne l'était pas Black Flag. Mais ensuite, dès qu'on va arriver au premier assassinat, on va voir qu'ils ont vraiment mis le paquet sur le level design. Et de toute façon, déjà, le jeu est très beau. Hein. Alors c'est vrai que pour cette version PC, je vois pas trop la différence, mais bon. J'aurais pu pousser un peu plus loin, peut-être. Where the hell were you two? We're out hunting. What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph, couldn't you fight them all off by yourself like you're always saying? It is Capitaine Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérandrie. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? Them's pretty words, Chevalier. But I don't feel too free at the moment. Well then, feel educated! Viens. Tuto. Pour le combat au corps à corps. Avec l'attaque, le compte bien sûr. Comme d'habitude. On sent qu'ils ont voulu le scénariser, ça fait un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Tant mieux en fait. Hein.
Limite, niveau les tutos, je trouve que c'est le meilleur jeu qu'ils aient fait, Ubisoft, pour le, ouais, le tuto. Gentlemen, stop! We got a common enemy, and I reckon he's close. The Royal Navy attack my vessel and force my men to flee. We are stranded, and what is worse, the smugglers we were supposed to meet have been taken prisoner. Shay and I will free those smugglers. You treat your wounded. Take these. You'll need them. Tread with care, Shay. The Royal Navy be ready for us. Remember your training. Alors pour ceux qui ont la connexion suffisante, je recommanderais du coup de mettre en full screen. Pour les sous-titres, ils sont faits tout blancs et sans aucun contour. Du coup, bon bah voilà, alors peut-être prendre la lame, c'était peut-être mieux en fait. Hein. Alors on les 5 au total, bon comme d'habitude, je vais essayer de les faire, mais sans plus, parce que bon. De toute façon, on s'amuse comme on peut. Voilà, donc là on va essayer de pas se faire repérer bien évidemment, mais bon. Voilà. Donc on a la lame, l'épée et la dague. On va faire un double assassinat ici. Il en reste un ici. Et qu'on va assassiner comme ça. Donc maintenant il reste à libérer le bateau. Alors il y a encore un parchemin. Est-ce qu'il est ici ou pas? Ou est-ce qu'il est dehors? Non, il est juste à l'extérieur. Je peux pas récupérer les coffres, je vais vraiment pas perdre de temps. On verra techniquement ce que donne la ville de New York, que je vais trouver très décevante sur PS3. A mon avis ça va être pareil, ça m'a l'air d'être juste un portage. Bon à la limite ça suffit. Je vais prendre ce trésor. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que les sous-titres sont vraiment tout blancs, sans aucun contour. C'est même pas un petit truc fumé autour, ce qui fait qu'ils sont très difficilement lisibles. Je suis désolé pour ça, mais bon, je veux vraiment... Donc là, on a le Morrigan. On a par contre, bon, j'ai dit qu'il est en train de les amis pour l'instant. C'est relativement facile. Bon, là, je me suis fait niquer parce que lui, il regardait derrière pile au moment où j'arrivais. Donc c'est dommage pour la synchro totale. Je me suis fait repérer. Au moins, on se bat. Et donc vous voyez tout de suite les animations et des bugs. Bon, le jeu il est bugué, hein, c'est comme ça, ils ont fait le portage à l'arrache. Voilà. Alors ça a vraiment walkthrough pour le coup, vu que j'ai fini sur PS3, et puis il y a des missions que j'ai refaites. Enfin, je commence à connaître pas trop mal le jeu, donc ça va. Objectif optionnel, éliminer tous les gardes britanniques. Ouais, mais je crois qu'il fallait ne pas se faire repérer en fait. Ouais, bon, tant pis. Comme d'habitude, hein. Saving those fellas for you. Very thoughtful. Maybe you were not completely useless, Shay. Speaking of useless, those blockheads won't be needing this vessel anymore. This pile of mail? You want her, Shay? She is yours. Now bring me back to my ship. You heard, Chevalier? This vessel is yours, Shay. Go on. Take the wheel. Some of the men you rescued agreed to join us. To prove a good crew. I'm not so certain about their captain, but next to me you are the most experienced sailor in the Brotherhood, Shay. Besides, we could use another vessel, even this pitiful one. She's mine, ain't she? My own ship. Your own pile of garbage, yes? Ah, with a lick of paint and a few new cannons, she'll look as fine as anything on the Seven Seas. Shall we begin, Captain? Indeed, mate. Connor. She's a mess, but she's still afloat. And her name's the Morrigan. Morrigan? That silly fairy queen who ruined Merlin, the wise? Oh, she's perfect for you, Shay. The Morrigan was an old goddess, queen of war and darkness. She harbored the souls of fallen warriors. Perfect indeed. Je m'accroche pas trop au scénario pour l'instant, on ne sait pas grand chose de Shay. They will sink her. Let's put the Morrigan to the test, Captain Shay.
Je parle pas non plus beaucoup parce que là il y a des dialogues et j'aime bien les conserver en entier. J'ai l'impression qu'il y a du mal à charger les textures des bateaux là, le jeu est pas bon. Donc oui, pour l'instant je continue surtout techniquement, mais je vais me plonger dans le scénario dès qu'il aura, il sera un peu plus consistant. Donc là pour l'instant on a juste rencontré Capitaine de la Vérandrie qui est un vrai connard avec Shay, mais bon c'est le principe parce qu'on veut qu'il ait l'air antipathique pour que Shay ait une raison. Hein, de ne pas aimer les assassins parce qu'il faut bien une raison. Alors là on voit ici des trucs à récupérer, ça va nous être utile donc autant en profiter pour pouvoir améliorer le bateau est un élément de gameplay. Assez relativement quand même ouais, important dans le jeu. Ah, il en restait un à couler là-bas. Ou c'est un bug parce que l'objectif, tu me le mets sur le bateau que je dois défendre. Non, il est là. Ok. Think hearty, lads. Chevalier is pleased with us. What course would you have me set, Shay? Time to report back to the mentor. Wouldn't you agree? Wise words, Captain. Wise words. It's some kind of dormant virus? Emergency. Shit. Hang on, I'm getting you out of there. Sorry for the rough exit. Your piece working, check. You were just in an animus. Animus, yes? You were using it to access a genetic memory file in Helix labeled Shay Cormac? You work for Abstergo Entertainment, remember? Any of this ringing a bell? Your session triggered something bad, and it's affecting the whole building. We need to find your boss. You haven't forgotten your boss, have you? Melanie LeMay, Zipper, Chipper, Overachiever? Here, take your communicator, check it if you got lost. Emergency. Now let's get out of here. Bon, le voice acting est plutôt convaincant. Même si Miss avec son truc d'Aveline est faite pour nous faire chier. Ah voilà Mélanie Lemay. What the hell is happening? A file labeled Shay Cormac was booby-trapped with some kind of virus. Your job is to prevent things like this. We need to contain these genetic memories, then we can destroy them. No. Isolate them. I want to study these memories. But with respect, Miss Lemay, this is not a request. You heard the man. Fine. I need to borrow your numbskull. That okay with you, Ms. LeMay? Hey there, this might seem a bit weird, but you're gonna work for contractors we hired to, you know, upgrade our security. Mr. Otto Berg and Ms. Violet DaCosta. Call me Violet. I have to go check on our people and prepare a statement for the press. Do whatever they tell you to do, okay? Go team! Technically, you're not responsible for this, but you're the one who let the virus out. So I think it's only fair you help me clean it up. Mr. Berg wants us to relive Shay's genetic memories. To do that, we need to access them from Helix. But the Helix is down. We'll have to reboot the main servers in the basement. Man, whoever designed this virus is a genius. Not only does it restrict our access to the cloud, it's adapted to fuck up the other operating systems that regulate building functions. J'ai récupéré la première tablette, donc c'est quelqu'un qui a perdu ses documents. Donc ça parle d'Arnaud Dorian, donc voilà, donc là j'en profite si quelqu'un veut lire. Donc comme d'habitude, introduction chez Abstergo. Donc en même temps, tout va beaucoup plus vite que Black Flag, c'est, bon, ce jeu est directement fait pour les fans. C'est comme si ce jeu m'était adressé. Tout va beaucoup plus vite et ils font. Il y a même un petit peu ce côté parodique de bon mec, tu te souviens, t'es dans l'animus, ok, j'ai pas besoin de t'expliquer, tu te démerdes quoi. Il y a un petit peu ce côté là, je trouve ça assez marrant d'ailleurs. Et d'ailleurs, le côté présent va être plus très important dans cet épisode, il est plutôt cool d'ailleurs. Elevator
Elevators are out of commission. Are we stuck on this floor? Damn, yes. I'll get a repair crew on site ASAP. There's a working area server on this floor. I guess it'll have to do for now. Agent DaCosta, I want regular updates on your progress with Shay's genetic memories. Why? He's just a nobody as far as I can tell. If Shay Cormac is who I suspect he is, then this temporary setback may provide us with an unexpected reward. Proceed to the server room on this floor. Et ouais, là on est contacté directement par Ott Soberg, qui est donc notre trompeur avec Mélanie Lemay, qui donc est quand même très intéressant. Je vais pas trop vous en parler, parce que d'abord parce qu'on va apprendre son histoire dans les liens du présent. Sinon, on apprend surtout sur lui sur AC Initiates. Donc c'est un Templier qui a un passé important, c'est un peu le Templier qui va remplacer Daniel Cross, vu que Daniel Cross a été tué par Desmond, c'est dommage. Voilà. On se connecte au serveur pour faire des nouveaux mini-jeux de hacking, et qui d'ailleurs seront un peu plus cool cette fois. You have to move the circles in such a way that each segment is powered by a beam. The keyword here is each. One beam and one beam only per core segment, okay? Once everything is lit up properly, the system will reboot. Got it? Give it a shot. Alors, on va donc RB prendre le dernier et le remonter là-haut. Good job. This core wasn't too complex. But rebooting the advanced hardware in the rest of the building will require more work. The assassins would have you believe that Al-Mualim was a great mentor who became corrupted with greed. And that he schemed with the Templars to acquire an apple of Eden. I see instead a shrewd and cunning leader. A man who used his best assassin, Altair ibn Lahad, to eliminate his conspirators in order to keep the apple for himself. So that he could use it to enforce world peace. While it must be stated unequivocally that Al-Mualim was not a Templar, it is interesting to me that his vision of peace was more in line with Templar philosophy than assassin. In the past, both sides had the same goal, that of peace. Our only difference was how we chose to achieve it. Had Al-Mualim not been killed by Altair and allowed to carry out his plan, perhaps we would not be fighting now. It was only after Altair reformed the Brotherhood with its new ideals of free will that the conflict truly escalated and spread across the planet. For if the so-called wise man of the mountain can see things from our point of view, surely the same can be said for other assassins. Okay, so I'm not sure you're supposed to see that. Just, you should just get back to your Animus. With the servers back online, you could, in theory, restore your co-workers' workstations if you, you know, feel like being helpful. And you could, in theory, find some more digital goodies if you, you know, feel like being sneaky. Et on va continuer à fouiller. Alors j'ai beaucoup aimé le dialogue, alors c'est le 12, donc on va pas le lire, c'est pas drôle. Hey, one of your co-workers dropped his communicator by the elevator. If you see any tech lying around like that, grab him. There might be a clue as to who did this. Now that you have unlocked Shay Cormac's memories, we stand on the brink of a grand discovery. I know you must have questions about your new assignment, or about me. For now, all I will say is that Shay's story contains the answers. Shay will lead you to a greater understanding. Je vais avancer dans le présent de manière linéaire, mais bon, il me laisse pas parler. Donc j'ai beaucoup aimé ce qu'on a eu là, le premier truc avec Al-Mualim, parce que ça a confirmé exactement, mais alors vraiment très précisément, ce que j'avais dit. Attends, le vert, qu'est-ce que ça fait le vert, ça? Ça réfracte le truc, d'accord. Bref, ça confirmait exactement ce que... Donc ouais, ça confirme exactement ce que j'avais dit dans le workflow de Assassin's Creed 3, au moment où il y a Haytham et... où Haytham parle à Connor en lui parlant de la confrérie avant Altair. Et c'est vrai que c'est Altair qui a apporté ce truc sur un des vrais tout est permis et tout. Alors attends, c'est lequel? Le vert, il sépare en deux, donc il faut le vert. Il faut que le vert, à un moment donné, soit connecté à celui-là, voilà.
mais un peu plus haut. Et toi aussi, tu vas monter, voilà. Et maintenant, le grand, on le met là, voilà. Donc, ce truc, il faut raisonner un peu. Et c'est assez facile. Je trouve plus intéressant que la grosse boule avec les lignes qu'ils avaient fait avant, parce que dans Backlog, on faisait un peu au pif. The Great Purge of 2000, William Miles became the de facto leader of the Assassins. A cunning and ruthless strategist. He trained several agents who infiltrated Abstergo, including Clay Kazmarek and Lucy Stillman. In late 2012, I captured William Miles in Cairo and delivered him to Warren Vidic in Rome. Miles' son, Desmond, attacked Abstergo, killed Vidic and Master Templar Daniel Cross. He fled to a first civilization temple in New York. On December 21st, Desmond Miles was killed inside the precursor structure. The grieving William Miles went underground and left the Brotherhood in the hands of Gavin Banks. Banks led a small team across the globe, attempting to rebuild assassin cells. We have confirmed sightings in Kyoto, Moscow, and Paris. Miles resurfaced in late 2013, and we have confirmed his involvement in the infiltration of Abstergo Entertainment Montreal by the assassins Sean Hastings and Rebecca Crane. Both Miles and Banks remain at large. Agent DaCosta has tasked the Akashic satellite Plexus to sweep the planet for traces of assassin activities. We have yet to locate them. Ah donc là c'est exactement ce que j'avais dit, voilà l'histoire de Daniel Cross, donc c'est donc celui qui avait capturé William Miles et constaté ensuite le décès de Daniel Cross. Donc c'est pour ça que c'est un assassin très intéressant, mais toute son histoire est disponible sur Assassin's Creed Initiates. Je sais pas si le site remarque vu qu'il fait des up and down incessants. Donc encore une tablette ici, il y en a beaucoup, et puis il y a aussi des t-shirts d'Abstergo et des figurines. Puis vous voyez qu'il y a ce petit côté sur Abstergo où c'est pas genre ne fais rien, c'est on t'encourage à aller chourer les trucs. Alors là c'est les toilettes, tiens encore une dans les toilettes. C'est le numéro combien ça? 14? Non, on les lira dans l'ordre. Donc c'est pas hyper intéressant, on a toujours les toilettes sans miroir, bien entendu. Hein. Donc on je sais même plus si on est censé être la même personne que dans Black Flag, ça paraît très bizarre. Bon, d'ailleurs, le dialogue précédent, enfin le petit discours a mentionné bien sûr la présence de Sean et Rebecca chez Abstergo. Donc vous voyez Far Cry 3, j'ai cru qu'il y avait écrit 5, j'ai dit what. Bon, on va retourner sur Shay, mais bon, malheureusement, ce sera sans doute la fin d'un épisode. Voilà, on regarde sur les tablettes. Les tablettes sont plus faciles à louper que les flashcodes, je trouve. Parce que le tablette, t'as l'impression qu'on a partout regardé cette figurine d'Edward qui est tombée. Et puis après, il y a des personnages. Et puis, il y a des livres comme Far Cry 4. Il y a des guides et des artbooks. Il y a le livre Forsaken aussi. Il y a The Fall. Enfin voilà, bon, ils sont pas fait chier pour empirer le truc. Hein. Supernatural Conviction. Le livre de Pixel Love. Ça, c'est le guide collector avec Libération. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir la suite des mémoires de Shay maintenant.